and damage plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de foudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday the 13th. All right. Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast du crime. À mes oreilles, c'est ici Alex, aujourd'hui en compagnie de mon cher. Et très beau, on est enfin une mouche. Il y a des mouches de tout d'un coup dans le studio avec mon cher et grand ami, monsieur Papy Joe. Avec la caméra sur moi. Là. C'est fait. J'ai la chemise officielle de du crime à mes oreilles. Oh yeah. Je suis quel beau garçon. Je suis un vrai dandy. Ouais. C'est beau. Merci. Fait chaud. Ouais, il fait chaud. Il fait chaud, ouais. En salle. Ouais, c'est pour ça. On essaie d'avoir la fan. On espère qu'on l'entend pas trop. On a-tu des fans en ce moment? Hein? Oh! Oh! Il y a Siri qui est là. Je t'aime. Siri, Steinflex n'est toujours pas là. Mais il y a plusieurs personnes. Ouais, il fait chaud. Fait chaud. Fait chaud. Ça dire. Yes. Bon, Papy Joe. Oui. Le vif du sujet. Qu'est-ce que tu nous parles aujourd'hui, mon cher ami? On va se promener un peu. Ce soir, on parle de nécrophagant. Plus précisément d'un EP, mais nous y reviendrons plus tard. Chaque chose en son temps. Qui est nécrophagant? Un groupe de dead metal des États-Unis. 4 Billy Leforme. Sean Suzarek, qui s'occupe du drum, Jake Arnett, la basse, Serge Streltsov, la guitare, et Killjoy, pour le chant. Ils sont forts quand même de 7 albums à ce jour, et même encore cette année, ils ont sorti un nouvel album en 2004, malgré le fait que Killjoy est décédé en 2018. Mais c'est encore lui qui sort, c'est comme des affaires posthumes, là. Quand on réussit à faire un peu d'argent avec ce qui nous reste. Mais penchons-nous sur ce qui nous intéresse. En 2001, le groupe a sorti un EP hommage à un film. J'ai pu découvrir le EP avant d'écouter le film. Fait cocasse, en fin de compte, c'est quelqu'un qui me l'avait gravé sur un CD puis qui me l'avait offert, fait que je ne l'ai pas en ma possession. Mais ce film que j'ai réussi à écouter mi-vingtaine, mais que je bavais de pouvoir écouter dans mon adolescence avant même. Il n'était pas facile à trouver, mais je l'ai trouvé, et on va parler, en fin de compte, de Cannibal Holocaust. Avec ta pochette à l'envers. On recommence. Cannibal Holocaust. Il y a Chuka qui est là aussi. Allô, Chuka. Il y a Silly qui dit que lui aussi, il t'aime, Papy Joe. Nice, c'est beau l'amour. C'est Chuka à 20 ans, hein? Je sais même pas c'est Chuka, qui. Chuka est l'autre bord de l'océan. Oh shit, ok. Le soleil se couche, elle se lève. Elle ou lui, je sais pas. Le EP, en fin de compte, contient 5 chansons qui, en fin de compte, sont vraiment un hommage à ce merveilleux film Cannibal Holocaust. Mais tu sais, c'est un film. On parle de true crime. Oui, je suis dans la légèreté ce soir parce que il n'y a pas vraiment de crime. Oh, une chance que Mamie Pam n'est pas là. Elle est pas là. Ouais, mais même quand elle est là pour du crime, elle va se coucher. Fait que ça ne sert pas à grand-chose. Pas une référence. Mais c'est plutôt le côté sordide de ce film. Et pour commencer, je vais montrer l'intérieur de la pochette à Alex qui puisse savourer. OK. On a de quoi de bien, là. Ah, ouais, c'est... ouais, on pourrait dire ça. Ouais. On a quelque chose, là. Alors, penchons-nous. C'est que t'es tordu, pareil, des fois. Hey, je vais aller chercher longtemps, puis c'est sur eBay. Tu sais, le début de eBay, là. Ouais. Clac, 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 pas capable de le trouver ici. Une vingtaine de piastres, pas plus. Ah, c'est pas non, c'est ça, parce que à Boîte Noire, je pense, à Montréal, ça remonte à longtemps, il était pas capable de l'avoir.
Et je vais revenir aussi pour le fait que peut-être il était pas capable de l'avoir, mais eBay, je l'ai trouvé, clac-clac, commandé, je l'ai reçu, je suis comme, et on l'écoute. C'était satisfaisant. Ça a coûté moins cher que mon CD de G.G. Allin. Ben, c'est 20$, là, genre, comme 10 ans aussi, là. Ben, moi aussi, là. Ça fait longtemps que j'habitais dans le coin de Victo quand j'ai acheté ça. OK. C'est bon que ça, G.G. Allin? Non. Non. Le CD m'avait coûté 45$. Avec le shipping, tout, ou? Je l'avais commandé chez HMV. En plus? Il le tenait pas. Ouais. Puis, ouais, ça avait coûté 45$ pour avoir le CD, là. Pas tant bon de G.G. Allin. Mais c'est une légende. Pour des mauvaises raisons, mais c'est une légende. Ouais, on devrait faire un épisode de... On n'a pas fait de du crime à mes oreilles sur G.G. Allin. Mais non, je sais même pas c'est qui. T'as aucune idée qui est G.G. Allin? OK. Mais là, après ça, je vais le googler, je vais le savoir. Je vais te montrer après. OK, c'est bon. Peut-être que je l'ai déjà vu, mais je connais pas son nom. Fait que Cannibal Holocaust est un film italien de 1980 réalisé par Ruggero Deodato et écrit par Gianfranco Clerici. Il met en vedette Robert Kerman dans le rôle d'Harold Monroe, un anthropologue qui dirige une équipe de secours dans la forêt amazonienne pour retrouver une équipe de cinéastes disparus alors qu'il tournait un documentaire sur les tribus cannibales locales. Ça, c'est vraiment le gros résumé, là, parce qu'il y a bien des affaires qui se passent dans le film. Mais je suis pas encore rendu là. Produit dans le cadre de la tendance cannibale du cinéma d'exploitation italien dans les années 70-80. Hey. Excuse-le, je te coupe. Oui. Mais même l'ancien stagiaire est là. Holy shit! On parlait de cannibale, il s'est pointé. Il s'est pointé. Alors, on était, c'est ça, dans les années 70-80, avec la montée des films de cannibales d'exploitation. Mais il n'y a pas eu... En fin de compte, la montée en général des films d'exploitation... Parce que, tu sais, je veux dire, on prenait un sujet, puis on l'exploitait. On va dire, exemple, les madames en prison, on sortait une chier de film là-dessus. Les nazis, une chier de film là-dessus. Les noirs en détective, une chier de film là-dessus. C'était vraiment des espèces de beaux bijoux cinématographiques à petit budget. Mais pour mettre l'auditeur en haleine, je vais préciser quelques films qui ont eu lieu à cette époque-là, avec des titres merveilleux. Un des plus connus, Cannibal Ferox, qui est une suite de Cannibal Holocaust. White Cannibal Queen, tu vois qu'on tombe dans quelque chose un peu érotique. Pas trop long, hein? Papaya, Love Goddess of the Cannibal. Encore. Puis mon préféré, là, il va vraiment falloir que je le trouve, mais Emmanuel and the Last Cannibal. Je joue pas le lien avec Emmanuel, mais c'est sûr que ça doit être bon. Rappelle des souvenirs. Exactement. C'est une autre histoire qu'on l'a jamais vue. Cannibal Holocaust s'inspire de la couverture médiatique italienne du terrorisme des Brigades Rouges. Alors, je t'entends demander, mais qui sont les Brigades Rouges? Mm-hmm. Faut que je retrouve ma ligne. Ils étaient un groupe de guérilla militants communistes italiens. Ils ont été responsables de nombreux incidents violents de 1960 à 1980 en Italie, notamment l'enlèvement et le meurtre d'Aldo Moro en 1978, un ancien premier ministre italien. Le réalisateur croyait que les reportages étaient une mise en scène, une idée qui est devenue un aspect intégral de l'histoire du film. Sinon, je ne comprends pas trop le lien entre des cannibales et des terroristes communistes. À part peut-être le rouge communiste, le rouge du sang cannibale, mais j'en vois pas. Des éléments supplémentaires de l'histoire ont également été influencés par des documentaires Mondo. Évidemment, les documentaires Mondo, ou dans un autre terme, des shock documentaires, en fin de compte, une sorte de faux documentaire, encore une fois, d'exploitation. Un des plus connus, je dirais, c'est Face à la mort. Où est-ce qu'ils mettraient en scène genre des exécutions ou genre un souper, où est-ce que le monde mange des cervelles de singes, là. Fait que c'était... Intéressant. Ouais, c'était bon, ça, Face à la mort. Ouais. J'ai écouté ça, j'ai réussi à en voir deux, trois. Parce qu'il y en a eu, je pense, six.
la bonne cinématographie. En particulier, en présentation des images perdues de l'équipe du documentaire qui constitue environ la moitié du film. Parce que la première moitié du film, c'est vraiment ça. Le personnage principal part à la recherche, en fin de compte, de l'équipe de tournage de cinéastes disparus. Et l'autre moitié, c'est y écoute les bobines. Le traitement de ces images réputées pour le réalisme visuel a innové dans le style de réalisation de found footage. Sans Cannibal Holocaust, nous n'aurions peut-être jamais eu l'excellent Blair Witch Project. Mm-hmm. Le 2, est-ce qu'il était utile ou non? Non. C'est même pas le même style. C'est même pas un found footage. Là. C'est juste comme un ramassis. Puis même encore là... Ils ont voulu faire comme si... Ouais, c'est ça. Puis c'était vraiment pas réussi. Puis même toutes les autres après ça, Paranormal Activity ou des trucs de même, ils ont jamais réussi. Cannibal Holocaust a été filmé principalement sur la place dans la forêt amazonienne de Colombie avec un casting de tribus indigènes interagissant avec des acteurs américains et italiens, pour la plupart inexpérimentés et recrutés à la va-vite à New York. T'arrives à New York, tu fais comme « Hey, j'ai besoin de monde pour faire quoi? Ben, » un film, là, en Amazonie. À propos de quoi? Bon, des cannibales. Ah, OK, j'embarque. Fait cocasse, les indigènes, ils ont jamais été payés, eux autres. Parce que comme si je t'étais étonné. Ben, s'il te plaît, sois étonné. Ils ont exploité les natifs du coin comme des champions pour eux. Tabarnak, hein? C'est peut-être pour ça qu'ils ont réussi à mettre l'argent ailleurs dans le film. Depuis sa sortie originale le 7 février 1980, Cannibal Holocaust a été la cible de la censure. Pour ça que je parle de ce merveilleux film. Parce que, hein? On a le droit à la liberté d'expression. Je vais remettre ça là. Cordis. 10 jours après sa première à Milan, Cannibal Holocaust a été confisqué sur ordre d'un magistrat local et Ruggero Deodato, le réalisateur, a été accusé d'obscénité. Comme toutes les copies devaient être remises aux autorités, le film a été diffusé dans d'autres pays comme au Royaume-Uni, par Superfuge. Parce que, ouais, il y a un certain temps, ça existait des cinémas clandestins. Ah ouais? Ouais. C'est drôle, hein? Puis la plupart des cinémas clandestins, c'était pas où est-ce pour aller voir, genre, les pompiers fument la pipe neuf, puis c'était juste des messieurs qui se regardaient, là. Mais en tout cas, c'est autre chose. Il y avait ça, entre autres, là, mais il y avait d'autres choses. Les bains étaient collants, là-bas, là. Ouais, les bains étaient collants. Tu sais, je veux dire, tu passes ça, puis après ça, Cannibal Holocaust, c'est le même niveau, là. Ça serait le même genre de goût. Non, sûrement. Dans un cinéma pour ça, peut-être. Peut-être. En janvier 1981, lors de la projection du film en France, le magazine Photo, c'est vraiment le nom du magazine, c'est Photo, suggéra que certains morts représentés dans le film étaient réels, ce qui aurait fait de Cannibal Holocaust un film snuff. Pour expliquer c'est quoi un film snuff, c'est juste un film où est-ce que tu vois quelqu'un se faire battre ou tuer gratuitement à l'écran. Genre Rocco Magnotta. Exactement, ça c'est un snuff. Quand avec les shows aussi. Ouais. Tout ça démarche. Ou là, il y a aussi le 8 mm qui est vraiment un film de police qui explique vraiment bien c'est quoi un film snuff, fait que je vous le conseille. À la suite de la publication de cet article, les charges retenues contre Deodato ont été modifiées pour inclure le meurtre. Les tribunaux ont estimé que les acteurs qui incarnaient l'équipe de tournage disparue et l'actrice autochtone apparaissant dans la scène d'empalement avaient été tués pour la caméra. Tu veux que je te remonte la fiche ou ça va? Non, c'est correct. Ça va? Okay. Oh ouais, je m'en rappelle. T'en rappelles, c'est bon. Le problème était aggravé par le fait que les acteurs supposément décédés avaient signé des contrats avec la production garantissant qu'ils n'apparaîtraient dans aucun type de média, de film ou de publicité pendant un an après la sortie du film. Cela a été fait afin de promouvoir l'idée que Cannibal Holocaust était véritablement les images récupérées de documentaristes disparus. Au cours de la procédure judiciaire...
si. Ouais, t'as dit celle-là. Judiciaire. Qui a suivi, des questions ont été soulevées quant à savoir pourquoi les acteurs n'étaient présents dans aucun autre média s'ils étaient en vie, comme le prétendait le réalisateur. Pour prouver son innocence, Deodato a mis Luca Barbarecci, un des acteurs, en contact avec les trois autres acteurs. Et tous les quatre ont été interviewés pour une émission de télévision italienne. Deodato a également expliqué au tribunal comment l'effet spécial de la scène de l'empalement avait été obtenu. Un siège de vélo était attaché à l'extrémité d'un poteau de fer sur lequel l'actrice était assise. Elle a ensuite tenu un court morceau de bois de balsa dans sa bouche et a regardé vers le ciel, donnant ainsi l'apparence d'un empalement. C'était bien fait quand même. Ben, c'était vraiment bien fait. Deodato a également fourni au tribunal des photos de la jeune fille interagissant avec l'équipe après le tournage de la scène. Après avoir reçu ces preuves, les tribunaux ont abandonné toutes les accusations de meurtre contre Deodato. Hein? Mais ça me fait un peu penser justement là, au gars qui fait du FX québécois. Là, ouais, qui s'est ramassé. Fait, hey, c'est quelque chose, là. Toc toc, Interpol. Qu'est-ce que vous faites ici? Il est trop bon dans sa job. Honnêtement, là, après ça, quand que. Wow, tu sais, comment on appelle ça? Un studio de cinéma, genre, t'approches, tu vois, t'es-tu bon pour faire les effets spéciaux? Je le sais pas, Interpol vient me chercher à chaque fois. OK, on va t'engager, c'est correct. C'est bon dans le CV. C'est chiant les procédures, mais c'est bon. Ça, c'est bon dans le CV. Quand c'est bon dans le CV, ça vaut la peine. Je charge plus cher à cause de ça. Ouais, à cause ça. De cette preuve-là. À cause de cette preuve-là. C'est, puis la, preuve de... c'est la preuve de compétence. C'est ça. Puis après ça, genre, les déboires en juridiction, là, genre, à cause, il faut que tu payes tes avocats. Fait que pour ça, tu cherches plus cher. Bien que les allégations de Snuff Film ont été réfutées avec succès, les tribunaux italiens ont décidé d'interdire Cannibal Holocaust en raison des véritables massacres d'animaux, citant les lois sur la cruauté envers les animaux. Ouais. Dans le film, quand ils décident de se faire... je m'en souviens plus c'est quoi le nom de l'animal, peut-être que je l'ai remarqué plus loin, puis ils décident de le prendre puis de le manger, ben, il tient dans une main, puis le canif rentre dans, puis t'entends la bestiole gueuler. Quand ils décident de se faire un barbecue à tortue, c'est une vraie tortue qui coupe en morceaux. Oh, oh, oh. Peut-être pour ça aussi, ça n'a pas aidé. Ouais. Pourquoi que la fille empalée, je suis comme, ah, oh, c'est nice. Mais la tortue, je suis comme, ah, oh, c'est triste. Mais parce que la fille empalée, on le sait que c'est pas vrai. Ben, je le savais pas dans le temps. Là, mais, elle l'a su un peu plus tard. Là. Il n'aurait pas été en vente, ça aurait été vrai. Moi. Non, exactement. T'es un petit peu naïf. Hey, j'ai le droit, j'étais jeune. J'avais plein d'espoir envers des choses sorties. Mais tu parlais de 10 ans, mec. T'avais quand même 30 ans. Ah, c'est plus que ça, en fin de compte. J'avais 25 à peu près. Je venais de déménager avec ma douce. Puis je l'avais, elle n'a jamais voulu l'écouter avec moi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. On dirait que je suis pas étonné. Puis il doit avoir bien des affaires qu'il a pas envie d'écouter avec toi. Ouais. Ma vie est un peu triste en fin de compte, c'est ça que tu me dis. Non. T'es épanoui. Ouais. Qu'est-ce que tu feras des belles photos avec tes trois enfants dans tes bras? Ouais, j'ai encore de la force. Ah, ici. Tabarnak. Papy Joe, là, il est. Hein, c'est la force des vieux. Va chier, aussi. Oh, on retourne à nos amis. Ils sont plus endurants, mais ils sont encore forts comme tout. Oh, si. Oh, ça y est, c'est parti. Oh, on retourne à nos moutons. Oui. Deodato, Franco Palagi, Franco Di Nunzio, Gianfranco Clerici, la productrice Alda Pia et le représentant de United Artists Europa, Sandro Perotti, ont chacun été condamnés à 4 mois de prison avec sursis après avoir été reconnus coupables d'obscénité et de violence. Deodato s'est battu devant les tribunaux pendant 3 années supplémentaires pour obtenir la levée de l'interdiction de son film. En 1984, les tribunaux se sont prononcés en faveur de Deodato et Cannibal Holocaust a obtenu une certification de notation de 18 ans et plus pour une impression non intégrale. Il sera plus tard réédité en version intégrale. Ils
Ils ont quand même coupé des affaires, mais pas dans le bien. Pas dans le bien. Cannibal Holocaust a également été confronté à des problèmes de censure dans d'autres pays. En 1981, les sorties vidéo n'étaient pas tenues de passer devant le British Board of Film Censor, la BBFC, qui avait le pouvoir d'interdire les films au Royaume-Uni. Tu sais, si ça passe pas au cinéma, c'est correct, fait qu'on sort en cassette. Ça a sûrement sorti en bêta et en VHS. Cannibal Holocaust y a été diffusé directement en vidéo, évitant ainsi une éventuelle interdiction du film. Cela n'a cependant pas sauvé le film, car en 1983, le directeur des poursuites pénales a dressé une liste de 72 films qui n'avaient pas été présentés au BBFC pour certification et les a déclarés passibles de poursuites pour obscénité. Cette liste de « Video Nasty », parce que c'est vraiment le titre de la liste, comprenait Cannibal Holocaust qui a été poursuivi et interdit avec succès. Fait que si jamais vous pluguez un YouTuber que j'aime bien qui s'appelle Horrible Review, il passe les 72 films. Ben, ils écoutent comme des petits résumés. Là. Puis les vidéos nasty, il y a certains que je comprends pas pourquoi ils se sont ramassés là. Il y en a d'autres que je comprends. Des fois, c'est peut-être l'époque. Là. C'est peut-être, ouais, c'est ça, d'après moi, c'était plus question d'époque. Où, on voyait trop de jambes. Il y avait des affaires, c'était purement religieux. Là. Ça tapait sa religion, fait qu'ils te l'ont tassé tout de suite. Non, mais ça vaut à peine si vous voulez voir des films à petit budget. Faut pas aller au contrat de la secte. La secte, c'est bien. Tant qu'elle paye pas d'impôts. La sortie du film n'a été approuvée au Royaume-Uni qu'en 2001, avec un 6 minutes de coupe obligatoire. En 2011, la BBFC a renoncé à toutes ses éditions précédentes, sauf une, et adopté Cannibal Holocaust avec juste 15 secondes de coupure. Honnêtement, j'ai cherché c'était quoi le 15 secondes de coupure, je ne l'ai pas trouvé. Le 6 minutes, je l'ai vu, c'est quoi? Ça fait partie un peu de l'empalement, le brûlage de village. Je pense aussi le meurtre des animaux, tu le vois pas. Mais des affaires, mec, genre 15 secondes. Je sais pas c'est quoi qu'ils ont coupé. Il a été déterminé que la seule scène qui enfreignait les directives du BBFC était le meurtre d'un Quatimundi. Ah, lève-là. Tu l'as cherché, tu l'as même écrit. Je l'avais écrit, c'est ça, c'est Quatimundi qui rentre le couteau dans la gorge, puis il fait... C'était beau. Et le BBFC a reconnu que les coupes précédentes étaient réactionnaires à la réputation du film. Fait qu'ils ont même pas écouté le film, ils ont juste fait « Ah oh, ouais, non, mais ça, c'est choquant. Enlève-les. » C'est du monde qui botche leur job. Puis après ça, c'est peut-être pour ceux que t'es capable de la faire aujourd'hui, par exemple. Il y a peut-être ça. Le film a également été interdit en Australie, aux États-Unis, en Norvège, en Finlande, en Islande, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et dans plusieurs autres pays en 1984 ou avant. Le film a été brièvement sorti aux États-Unis par Trans-American Film en 1985, mais cette sortie a duré moins d'un mois avant d'être retirée des salles, probablement en raison des grandes controverses entourant le film. Il obtiendra finalement une sortie DVD sur deux disques en 2005 par Groundhouse Releasing. Tala. En 2005, l'Office of Film and Literature Classification en Australie a levé l'interdiction accordant à Cannibal Holocaust une note de 18 ans et plus pour la copie non abrégée, y compris des conseils aux consommateurs, violence sexuelle de haut niveau, violence de haut niveau, cruauté envers les animaux. En 2006, le film a été rejeté pour classification et interdit dans son intégralité par l'OFCLL en Nouvelle-Zélande. Ça en fait compte un truc de film. Non? Les réductions pour conserver une classification 18 ans et plus ont été proposées par le bureau, mais elles ont finalement été refusées. Fait qu'encore aujourd'hui, en Nouvelle-Zélande, le film est interdit. Fait que si je vais en Nouvelle-Zélande, j'emmène le film. Faut le faire enlever aux douanes. Je sais pas, ils vont-tu se faire comme c'est quoi ça? C'est un film. Ah, OK. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je suis illégal! Je suis un rebelle! Faites-moi visiter vos prisons, ça a l'air sympathique. Terroriste culturel.
le Seigneur des Anneaux. Pour moi, ce film, selon moi, évidemment, là, ça vaut qu'est-ce que ça vaut, est à voir absolument pour tout grand cinéphile qui veut s'intéresser à toutes les qualités de film, parce que oui, c'est un film à petit budget qui exploite plusieurs choses, dont les tribus indigènes de l'époque. Ben, de l'époque, qui existe encore sûrement un peu en Colombie. Hein. Mais c'est juste... La façon qui est présenté le film, c'est un... Comme on dit, la première partie, c'est vraiment, tu vas voir qu'est-ce qui se passe, qu'ils vont chercher les bobines de film. La deuxième partie, ils écoutent le film. Puis en fin de compte, à la fin du film, tu te rends compte que peut-être que c'était pas vraiment les cannibales, les monstres. Parce que tu sens tout spoiler le film pour peut-être les gens qui vont l'écouter. Disons que les cinéastes cherchent le sensationnalisme. Ils ont juste pas, genre, brassé le bon nid de guêpe. Fait que je vous conseille fortement de l'écouter. Et pour revenir, parce qu'on parlait de musique, c'est important. C'est supposé, en tout cas. Puis là, je commence à me demander, où la musique? Puis il reste pas grand-page à ton affaire. Il reste pas grand... J'en ai pas de besoin! J'ai parlé du groupe Necrophagia qui, justement, ils ont sorti un EP que je conseille fortement parce que je dirais que c'est peut-être le seul bon album qu'ils ont fait. Le restant est assez, genre, passable, sans intérêt. Mais celui-là, il parle de Cannibal Holocaust. Fait que c'est comme... Le EP, il dure quoi, une vingtaine de minutes. Fait que ça vaut la peine de l'écouter. Dead Metal, en honneur d'un excellent film. Mais aussi, comme ils ont coupé un peu partout dans le budget... Ben, ils ont pu faire une excellente trame sonore. OK. Que j'écoute même encore aujourd'hui. Puis de qualité, je veux dire, je trouve qu'elle n'a pas mal vieilli. Ça fait partie au moins de mes top 5 des meilleures trames sonores de films. Vraiment. Fait que oui, aujourd'hui. Mais je sais pas que ça vaut ta trame sonore, ton top 5. Mon top 5? Ben, je veux dire, il y a Cannibal Holocaust. Oui. Memory of a Geisha. Excellent. Une japonaise de l'époque, super beau, je sais pas, avec leur grande guitare qui fait ting ting ting, je connais pas le nom, je m'excuse. Fight Club, qui contient des classiques. Mm-hmm. Spawn, qui est un très mauvais film qui a mal vieilli, mais. Tabarnak, Spawn, mon gars. Ils vont-tu refaire ça? Honnêtement, là. Il mériterait. Il mériterait, mais je vois les films de super-héros en ce moment, puis je me dis, bof, c'est peut-être mieux de rester dans le bon Disney. Dark, là. Tu sais, c'est un vrai personnage dark. Ça serait bon. Hein. Ça serait bon avec les effets spéciaux. Je me souviens à l'époque, genre, la cape coûtait trop cher à faire, là. Mm-hmm. Fait qu'ils ont comme coupé sur le budget. Fait que t'as beau être deux, trois fois dans le film, mais pourtant, la cape, c'est vraiment important pour le personnage. Mais la trappe sonore de ce film-là est. Excellente, là. J'ai des chansons que tu retrouveras nulle part ailleurs parce que c'est des collaborations qu'on penserait jamais voir. Puis Blade. Tu vois, Blade, il y a juste une toune qui est bonne. C'est celle-là, le rave où il y a du sang qui tombe et tout le monde danse, c'est bon. Puis Le Voyage de Chihiro, qui est en fin de compte des studios Ghibli, mais en fin de compte, je veux dire, toutes les trames sonores des studios Ghibli, c'est excellent. Fait que, ben, avant de se quitter, tu vas nous plugger, hein? Ben oui, je peux nous plugger. Ouais, ça me tente pas. Il n'y a pas de trouble, Papi Joe. Ben, dupremesoreilles.com, vous pouvez nous suivre là. On a... tous nos liens sont là. Si vous voulez nous encourager, Patreon, Twitch, les deux places pour le faire. Sur Twitch, vous pouvez prendre votre abonnement Amazon Prime. Ça vous coûte rien. Ça nous donne environ 3$. On vous encourage à laisser des commentaires. Hein, Papi Joe? Laissez-nous des commentaires. Si vous avez écouté le film que Papi Joe vous propose aujourd'hui, dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous écoutez, du positif. Si vous écoutez le EP, dites-nous-en ce que vous en avez pensé. Sinon, on a un concours en ce moment qui se passe pour notre 24 heures du vrai mes oreilles. Okay, un gros concours. Un gros concours avec 400 pièces de tatou, des billets pour Mike Ward, des goodies de Ben. Je pense que Hugo Moody nous a donné pour 300 pièces de merch. Donner une idée. Ça a l'allure. Ça, c'est un lot. Fait que vous pouvez gagner ça. C'est facile. Ça coûte 10$ par virement Interac à booking dubremesoreilles.ca. Vous envoyez 10$ avec comme question podcast réponse DBMO. Si vous voulez participer, ben, tout l'argent du concours s'en va à la fondation Ainsi soit-elle de Chambly qui devient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Papi Joe.
C'est très important. Très important. J'essaie de pas faire de gag en ce moment. Merci. Ça me fait plaisir. Pis sinon, ben partagez, puis likez, puis dites-nous ce que vous en pensez. Ouais. Fait que comme la boucle est bouclée, parce que tu sais, on parlait de musique, on est allé voir le film, puis après ça, on a reparlé de musique, mais on va se laisser sur une des compositions de la bande sonore du film, qui est excellente. Je vous conseille de rester l'écouter, et évidemment, il y a des belles images de Cannibal Holocaust. All right, ça va bon. Dans la légèreté. On va pas se faire barrer sur Twitch. Je pense pas. Je vous dis, le cover, il est correct. C'est juste un cover. Ça part.